Bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être votre hôte pour ce quatrième journal club de la Société psychédélique de Lyon. Avant de commencer, quelques mots sur la Société psychédélique de Lyon pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. On est une association d'information et de débat sur les substances psychédéliques, qui a pour objectif d'encourager un discours éclairé sur ces substances, également dans une perspective de réduction des risques ou de maximisation des bénéfices. Et je précise qu'à ce sujet, on tiendra une permanence chez nos confrères de Keep Smiling en juin. Donc, on communiquera plus de détails prochainement pour ceux qui souhaiteraient passer nous voir. Et plus globalement, en deux mots, ce qu'on fait à la SPL, c'est premièrement de la médiation et de la vulgarisation de résultats de recherche par l'organisation de conférences, d'ateliers, de projections et de clubs de lecture comme ce soir. Et notre deuxième objectif, c'est de fédérer une communauté francophone autour de ces questions. Et pour ceux qui seraient à Lyon ou pas loin, on vous invite la semaine prochaine à la Tête d'Or pour fêter avec nous le Bicycle Day. Enfin, on a un Slack, donc si vous souhaitez vous impliquer et participer à nos prochains événements, vous êtes les bienvenus dessus pour ceux qui n'y seraient pas encore. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle aussi que le Journal Club, c'est un groupe de réflexion sur les sciences psychédéliques pour explorer le champ pluridisciplinaire de la recherche. Donc, chaque séance est consacrée à une thématique pour donner lieu à un débat. Toutes les perspectives sont les bienvenues. Donc, si vous souhaitez présenter à l'avenir un article, un projet de recherche, un documentaire ou autre, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on pourra en discuter. Concernant la séance d'aujourd'hui, avant d'introduire Ozias pour lui laisser la parole pour nous présenter l'article du jour, merci à Romain Hacquet qui nous fait l'honneur de sa présence pour la discussion et qui prépare une thèse sur la DMT à l'Université de Toulouse. Donc on a hâte d'écouter sa perspective sur le sujet. Enfin, concernant les modalités, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat pendant la présentation d'Ozias. On en prendra note et on les considérera en fin de présentation. Bien, vous demandez sans doute qui est Ozias. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ozias, c'est ingénieur, psychonaute et autodidacte. Il est ingénieur de formation et psychonaute par passion. Il a découvert les effets de la psilocybine et du LSD dans les années 70 et il s'intéresse depuis quelques années plus particulièrement aux tryptamines, aux visions, aux enseignements qu'elles peuvent procurer. Donc sa démarche n'est pas tant d'ordre thérapeutique, mais porte plutôt sur l'exploration des consciences modifiées et des possibilités qu'ils offrent dans la connaissance de soi. Donc dans un mélange de curiosité et d'auto-analyse. Il expérimente avec ses neurones, lit beaucoup et est militant dans une association qui promeut la réduction des risques. Il a également un blog que je vous invite à aller voir, où il est à la fois question de produits psychédéliques, mais pas que. Il est pareil membre de la Société psychédélique de Lyon depuis sa création. Et il a traduit en français deux articles relatifs aux rencontres d'entités sous DMT, l'un écrit par Michael Winkelmann, avec qui il a d'ailleurs pris contact, sur l'ontologie des entités psychédéliques, et le second, c'est celui dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, Ozias, bienvenue à toi et merci d'être là. Je te laisse à présent la parole pour présenter ton article. Merci Raphaël pour cette introduction, Martin pour la préparation, Cali et Romain aussi. Ouais. Donc voilà, oui, je suis psychonaute, blogueur, membre de la SPL et je vais présenter une douzaine de slides sur l'article du Journal Club de ce soir. Le temps de partager mon écran. Tout le monde voit bien, m'entend bien. 5 sur 5. Tout le monde a l'image? Ouais, super. OK. Parfait. Alors, l'article de ce soir, c'est en fait un article qui a été écrit il y a
en 2020 et qui s'intitule « Enquête sur les rencontres d'entités suite à la prise de DMT, phénoménologie, interprétation et effets persistants ». C'est une approche phénoménologique, quoi, dans le sens où c'est une enquête qui s'efforce de caractériser le plus objectivement possible, finalement, les rencontres d'entités, leur interprétation et leurs effets durables aussi. L'article était paru dans le journal de psychopharmacologie en 2020, en avril 2020, et je l'avais traduit en janvier de cette année. On peut trouver la traduction d'ailleurs sur le Slack de la SPL. Et c'est un article qui porte sur, donc sur principalement et sur les rencontres d'entités suite à la prise de DMT fumée sous forme vaporisée et sans mélange avec d'autres produits. Donc, l'article, il a été rédigé par Alan Davis, qui est professeur assistant spécialiste des addictions et des thérapies par la psilocybine à l'université Johns Hopkins. Et il est dirigé par quelqu'un qui est connu dans le milieu, qui est Roland Angrifis, qui lui est professeur de neurosciences et qui est aussi directeur du centre d'études psychédéliques de Johns Hopkins. Alors pourquoi j'ai choisi cet article? Parce qu'en fait, en tant que psychonaute, je me suis demandé, depuis que je fais ce genre d'expérience, qu'est-ce que je vois, en fait, quoi, et quelle est la réalité des entités que je peux rencontrer à travers ces expériences. Donc voilà un article qui est plutôt rigoureux, une enquête qui est sérieuse, et c'est pour ça que je me suis intéressé à cet article en particulier et que je le présente ce soir. Alors, l'image qu'on voit, c'est celle qui illustrait l'enquête qui a été proposée aux psychonautes. Donc, un mot sur la DMT. C'est une drogue psychédélique, s'il en est, et qui est plutôt rare, en fait, parce qu'il y a quand même seulement 0,7% aux USA d'utilisateurs. Donc, ce n'est pas très répandu. Ça se présente sous forme d'une poudre jaunâtre qui est extraite de certaines plantes, mimosa, par exemple, et qui a une odeur bien particulière, qui est à mi-chemin entre le miel et la bouche de vache, quoi, quelque chose de, à la fois sucré mais qui ne sent pas très bon non plus, et qui a une odeur de plastique revolé terrible quand on la brûle. Alors la façon de, elle peut être consommée soit vaporisée avec cette espèce de bouteille qu'on appelle ce machine, soit mélangée à du illiquide avec une vape toute simple, soit encore mélangé à des feuilles et consommé sous forme de joint, ça s'appelle alors la shunga. C'est une molécule en fait qui est qu'on trouve à l'état naturel, qui est endogène au cerveau humain, qu'on trouve naturellement dans le cerveau humain, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans le sens où le GHB, on doit en trouver aussi dans le cerveau humain. Mais c'est surtout une molécule qui est très, qui a beaucoup d'affinités avec les neurotransmetteurs humains, que ce soit au niveau des récepteurs sérotoniques, DOSA ou glutaminergiques, ou bien sigma 1, beaucoup d'interactions aussi. Et donc, l'effet est très intense et l'effet est très immersif, très convaincant. Par contre, c'est une drogue, quand elle est fumée, un produit quand il est fumé, qui a un effet qui est assez court, qui dure quelques minutes, peut-être 10 minutes maximum, 5 minutes, ça me paraît être quelque chose d'assez raisonnable, et où on passe par différentes étapes, et une des étapes qui est la plus mythique, c'est celle du breakthrough, ou percée, où il y a une perte de contact complète avec la réalité, et où apparaissent des visions, et où on peut rencontrer ces fameuses entités. Alors pour donner un peu, pour illustrer un peu le graphe qu'on voit là, ça donne une idée de la dynamique du produit. Et les photos, les images, voilà, en début d'expérience, on est projeté dans un flux d'images fractales, kaléidoscopiques, avec un univers très coloré, beaucoup de symétries qui apparaissent, beaucoup de mouvements, des couleurs et des géométries hyperboliques. Et puis, ça se précise dans le sens où ça nous attire quelque part. Alors,
une sorte de progression, d'avancée dans ce qui s'appelle des salles d'attente, un peu comme ce qu'on voit à gauche de l'image, mais aussi avec une impression physique de vibration autour de soi et d'un rythme répétitif qui part crescendo dans l'aigu et qui est comme un attracteur en fait. Et à un moment, on se retrouve à voir apparaître. Alors, ça peut être, on peut se retrouver soit sous un dôme, un peu comme ce qui est en noir et blanc sur le fond du slide, soit dans une espèce de salle à la géométrie hyperbolique. Mais on voit apparaître des entités, un peu comme celle qui est à droite, là, avec cette espèce de halo autour. Et le contact devient de plus en plus proche, je dirais, sous forme de messages télépathiques, surtout, sous forme de voix. Sous forme d'enseignement, sous forme de symboles qui défilent. Ces communications peuvent être interpersonnelles, quoi, avec une entité que je trouve assez convaincante, celle qui est au milieu, par exemple, qui est typique de ce qu'on peut voir dans le ciel, les yeux ouverts, après avoir fumé de la changa, par exemple. Mais on a toujours ce sentiment d'être confronté à des révélations, des choses sacrées, des secrets, des vérités cachées, et des choses qui sont des fois difficiles à rapporter aussi. Alors, il y a peut-être encore une autre étape qui est celle d'une sorte de dissolution où il est impossible de situer son corps, où on est nulle part, partout à la fois, dans une espèce d'extase baignée de lumière. Bon, c'est encore un des effets que j'ai pu constater, qui apparaît pas très souvent, mais qui est quand même particulièrement impressionnant. Et finalement, au bout de quelques minutes, l'expérience se termine avec un effacement graduel. Les couleurs sont moins vives, les détails sont moins présents. L'écran sur lequel sont projetées se projettent les images est moins... Et moins large, et finalement on revient dans la réalité tout doucement et avec un très grand sentiment à la fois de surprise, de gratitude et le sentiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir eu des enseignements. Alors voilà pour ce qui est les effets que je peux les décrire. Pour ce qui est de l'enquête maintenant, donc l'enquête, c'est Roland Griffiths qui est à gauche, là, qui l'a dirigée. C'était une enquête anonyme qui est circulée sur le web en 2018. C'était en anglais. Elle a été approuvée par la Johns Hopkins University School of Medicine. Elle a été propagée par Qualtrics, qui est un organisme qui fait des enquêtes en ligne. Et les internautes y avaient accès via Facebook ou Reddit ou Vice, enfin différents liens. Et dans cette enquête, chaque répondant devrait décrire son breakthrough, sa percée, la plus mémorable suite à la prise de DMT, et sans mélange de produits. Donc DMT fumé, pas de mélange de produits, et une seule expérience qui était retenue, celle qui était la plus mémorable. Donc, c'est une enquête qui a eu 10 000 participants, et sur ces 10 000 participants, il y a quand même 2561 témoignages qui ont été retenus, et donc c'est l'histoire de 2561 breakthroughs. Les gens qui ont témoigné sont principalement blancs, habitent aux USA, c'est des hommes dans trois quarts des cas, ils ont un âge moyen d'une trentaine d'années, et en termes d'expérience sur la DMT, la médiane est à 6 et la moyenne est à 15. Quoi. Donc, c'est une dizaine d'expériences en général. Pour ce qui est des résultats, les données en principe sont disponibles sur le Council of Spiritual Practice. Je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Pour ce qui est donc des apports de cette enquête, j'ai essayé de résumer un peu ce qui me paraissait le plus important. Alors, au niveau des caractéristiques des rencontres elles-mêmes,
Dans plus de 50% des cas, les répondants admettent, enfin reconnaissent que l'expérience de DMT fait partie des 5 expériences les plus marquantes de leur vie. Donc c'est quelque chose qui est quand même très fort. Dans 67% des cas, c'est leur premier breakthrough, leur premier qui reste la plus mémorable. Par contre, un biais peut-être à noter, c'est que 1/5 des psychonautes avaient posé l'intention d'une rencontre avant de faire cette expérience. Donc il y a quand même déjà une intention pour beaucoup d'entre eux. Comment ça se passe ensuite? C'est principalement l'entité qui a initié la rencontre, c'est-à-dire qui est rentrée en interaction avec le psychonaute. Ces psychonautes gardent des souvenirs très clairs ou clairs pour 60% d'entre eux après la rencontre. Les entités rencontrées sont toujours jugées très surprenantes, 3 sur une échelle qui va jusqu'à 4. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que quand même 72% les psychonautes pensent que l'entité existe encore après la rencontre. Le graphique à droite, ça nous montre en fait les modes de communication les plus fréquemment utilisés. Donc c'est la vue qui est sollicitée principalement à 92% et la télépathie aussi à 85%. L'audition aussi 50% et le toucher dans une moindre mesure à 34%. Je vous ai dit que j'étais ingénieur, j'ai fait un peu, j'aligne un peu des chiffres. Caractéristiques des entités, eh ben, ce qui ressort, c'est que les entités sont perçues comme des êtres supérieurs quand même, supérieurs et sacrés quelque part. Les mots qui étaient, il y avait des mots-clés qui étaient proposés, et ceux qui apparaissent le plus souvent, donc, ce sont des êtres qui ont été rencontrés par les psychonautes, des guides, des esprits, des aliens ou des anges gardiens. C'est les mots qui sont les plus fréquents. Les entités sont autonomes et sont perçues comme étant conscientes. Elles ont leur propre intelligence. Elles ont manifestement beaucoup d'intelligence au vu des témoignages des psychonautes. Elles sont bienveillantes, elles sont sacrées, mais dans certains cas aussi, elles peuvent être nuisibles. Ou mal intentionnée ou malveillante. Les expériences sont vécues quand même très positivement dans l'ensemble, puisque 65% des répondants disent qu'ils ont ressenti de la joie, 60% de la surprise, beaucoup relatent avoir ressenti de la confiance, 60% de l'amour, de la bonté, et tout ça qui est quand même un peu matiné d'une certaine peur, puisque dans 40% des témoignages, c'est un mot qui apparaît. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire une chose, c'est que cette enquête, c'était un questionnaire, elle était basée sur un questionnaire qui était issu d'un questionnaire précédent, qui avait circulé en 2016, et qui portait sur des rencontres de divine, alors, puisque c'était God Encounter Experiences, avec ou sans produit DMT. Là, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que l'article fait une comparaison des réponses des deux questionnaires, puisqu'ils avaient été émis, en fait, par les mêmes personnes, Roland Griffiths. Et les constatations, c'est qu'on a abouti à des récits qui sont très comparables. Au niveau sémantique, les mots qui sont utilisés se retrouvent identiques, avec les mêmes pondérances, les mêmes pondérations, pardon. Dans les deux cas, il y a une grande prépondérance du visuel aussi, des communications télépathiques, des sentiments de compassion, d'interconnexion, diminution de la peur de la mort, ou de l'assurance qu'il existe une autre vie au-delà de celle qu'on connaît. Dans les deux cas, des dialogues avec les entités qui étaient rencontrées et cette perception que l'expérience était bien plus réelle que la réalité habituelle, qui concerne 65% des témoignages. Dans les deux cas aussi,
On reviendra un peu là-dessus plus longuement, mais ce sont des expériences qui amènent des changements durables de la conception de la réalité des psychonautes ou de ceux qui ont eu ce type de révélation. Alors les différences, c'est surtout que sans DMT, les effets persistants étaient plus intenses. C'est-à-dire que, en fait, les expériences étaient plus marquantes dans le cas où il n'y avait pas d'usage de produits. Et une des différences principales au niveau des visions, c'est que les entités qui étaient vues sans DMT étaient beaucoup sans DMT ou sans produits même étaient beaucoup plus chimériques ou humanoïdes et beaucoup moins abstraites ou géométriques que celles qu'on peut voir avec la DMT. J'ai mis à gauche ce qui n'est pas finalement très caractéristique d'une entité DMT, enfin pour les expériences personnelles que j'ai pu avoir, et ce qui serait assez ressemblant au contraire. Alors, les changements et les effets durables qui sont attribués à cette expérience DMT, on revient dans le questionnaire de 2018. Pour la plupart des psychonautes, 80% estiment que leur rencontre a complètement modifié leur conception de la réalité. Une grande partie, 70% à peu près, ont reçu des enseignements aussi. Et on a le détail de ces, le détail de ces enseignements sur l'espèce d'entonnoir qui est à gauche. Alors, ça peut être des choses qui sont assez générales, par exemple, que l'entité attendait le psychonaute, quoi, des messages de ce type-là, ou au contraire des messages beaucoup plus personnels sur des situations de vie connues ceux qui essayaient, les psychonautes. C'est souvent des messages d'amour, c'est souvent aussi des tâches ou des devoirs qui sont à faire par la suite. Ça peut être par exemple se détacher d'une addiction. Beaucoup de messages de protection, des sentiments d'interconnexion, des sentiments d'apaisement avec la mort, des sentiments de connaissance. Tout ce genre d'enseignement, toute cette gamme d'enseignements, et aussi dans 50%, dans quelques 4% des cas, des prédictions qui sont faites sur l'avenir ou des révélations divines. 90% environ des psychonautes ont signalé des changements qui sont positifs et durables dans leur vie, et notamment au niveau de l'amélioration de la façon dont ils se sentent dans leur vie de tous les jours. De plus de sens à la vie aussi, de trouver leur vie enrichie par cette expérience et d'avoir des comportements plus en ligne avec ce qu'ils souhaitent. Et là, je pense par exemple à des addictions ou à des réconciliations qui sont mentionnées par les témoignages. Mais il y a quand même 5% qui signalent des changements négatifs ou indésirables et qui se repentent peut-être d'avoir fait cette expérience. J'ai gardé peut-être le plus impressionnant pour la fin, c'est le slide là, qui est cerclé de rouge et qui est l'impact sur les croyances qui avaient été caractérisées avant l'expérience et après l'expérience. Donc en bleu, on a les psychonautes qui sont athées ou agnostiques, qui sont 55% avant l'expérience, et seulement 26% après, ce qui fait qu'il y en a quand même beaucoup qui semblent avoir été convertis. Et de la même façon, les 36% qui étaient agnostiques, les 36% qui croyaient en une réalité ultime, les 55% qui étaient athées ou agnostiques sont descendus à 26%, les 36% qui croyaient à une réalité ultime, une transcendance, sont élevés à 58%. Donc, ça paraît assez décisif comme effet. Donc, en conclusion, moi j'ai trouvé c'est une enquête qui est quand même très exhaustive. À ma connaissance, c'est la plus importante qui a été faite sur le sujet. Ce qu'elle apporte, c'est que les entités qui sont décrites par les différents témoignages sont reconnaissables d'une personne à l'autre.
y a beaucoup de similarités, que les témoignages aussi avec la DMT recouvrent beaucoup de témoignages d'épiphanie, c'est-à-dire de révélations sans produit, que ce soit des EMI dans certains cas, ou bien des révélations divines, ou certains témoignages même d'enlèvement par des aliens, paraît-il. C'est aussi une expérience qui nous change définitivement, dans le sens où pour 90% des répondants, ça a été un choc ontologique, que 72% pensent que les entités ont une existence qui leur est propre, que ce n'était pas seulement une projection, où la baisse du nombre d'athées est spectaculaire, et c'est diminué, c'est divisé par deux, pratiquement, même plus. Et c'était une des expériences qui induisent, qui ont des changements positifs et persistants. Notamment face à l'attitude, face à la vie et à la mort, ce qu'on les pensées qu'on peut avoir sur ces deux grands sujets. Et last but not least, au niveau des prédictions qui sont reçues pendant l'expérience, bien là par contre, ce sujet n'a pas été traité et aucune n'a pu être vérifiée. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là et que j'ai été suffisamment clair. Merci beaucoup, Ozias. Je pense que l'exposé sera suivi par une discussion. Effectivement, je crois que c'était très clair. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment passionnant, j'ai trouvé. Merci pour votre attention. À vous l'antenne. Ben, je crois qu'on a, on n'a pas de questions dans le chat, malheureusement, mais moi j'en ai une ou deux, en tout cas. Il y a plusieurs choses que tu as dites qui m'ont interpellé. La première, c'était quand tu décris cette fameuse salle d'attente, on se croirait effectivement dans la salle d'attente d'un médecin, par exemple. Et également quand tu dis que la rencontre a été initiée par l'entité elle-même. J'aimerais avoir ton retour, enfin, dans ton expérience, qu'est-ce qui fait finalement qu'on accepte de passer de la salle d'attente au cabinet du médecin? Et là, bon, je pense que ça, on pourra dériver la discussion sur les effets éventuellement thérapeutiques avec Romain. Mais je fais le parallèle aussi avec les 5% que tu décrivais qui avaient éprouvé des changements négatifs ou indésirables. Est-ce que c'est finalement parce qu'ils avaient refusé ce passage-là de la salle d'attente la rencontre, enfin, est-ce que toi dans ton expérience déjà tu as eu des expériences négatives, et si oui, est-ce que tu l'attribues à un refus de ta part de te laisser aller à l'expérience et aux enseignements qu'elle pouvait comporter? Alors pour ce qui est des expériences négatives, oui, ça m'est arrivé une fois de tomber avec une espèce d'entité qui était vraiment toute dominatrice et dans des couleurs qui étaient vraiment très désagréables et devant lesquelles on ne pouvait que faire acte de contrition et s'incliner. Par contre, j'aurais pas d'explication sur pourquoi cette fois-là ça s'est passé comme ça, quoi. J'ai aucune explication là-dessus. C'est pas. Donc, on en revient toujours peut-être à l'idée de certain setting, enfin, que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et je pense que cette étude-là nous montre aussi que voilà, si la plupart des gens s'attendaient finalement à une rencontre, c'est qu'ils étaient biaisés peut-être d'une certaine façon. Donc, peut-être, je ne sais pas, avoir le retour de Romain, comment tu penses que, avant d'entamer évidemment les axes de discussion, à quel niveau donc se situeraient les effets thérapeutiques? Alors Ozias, tu as parlé des modifications de la conception de la réalité, du bien-être, du sens accordé ou du nouveau sens accordé à la vie, mais d'un point de vue peut-être plutôt neuropharmacologique, qu'est-ce que tes recherches ont montré jusqu'à présent? Bien, mes recherches débutent tout juste, donc pour l'instant, je n'ai pas de résultat vraiment à discuter. Mais la question se pose en effet de qu'est-ce qui peut avoir une action thérapeutique? Est-ce que c'est seulement une efficacité neurobiologique?
notamment avec de la neuroplasticité qui se met en place, où la DMT a aussi montré une capacité de neurogénèse, donc de créer des nouveaux neurones. Mais quelle est la place de la phénoménologie, de l'expérience vécue? Il y a plusieurs études sur les psychédéliques, sur la psilocybine, qui ont montré que plus l'expérience était forte, subjectivement vécue comme forte et avait un aspect mystique, plus c'était corrélé à un effet thérapeutique. Avec la DMT, c'est difficile peut-être de, non pas de regarder cette variable, puisqu'on peut la voir avec des échelles qui sont développées, des échelles mystiques ou échelles HRS pour Hallucinogenic Rating Scale, développé par Strassman. Mais c'est peut-être plus difficile de garder l'expérience comparativement à de la psilocybine, où ça a duré beaucoup plus longtemps, où il y a une introspection qui est plus longue avec la psilocybine ou le LSD. Et là, la DMT, c'est très court, les choses peuvent aller très vite. Et donc, du coup, c'est difficile de voir quelle est la part de la phénoménologie dans l'amélioration de l'état et du bien-être. Et certainement qu'il y a ces deux aspects, tant neurobiologiques que phénoménologiques. Une chose, enfin, une des choses qui m'a peut-être le plus marqué dans les changements de vie, c'est qu'avant d'utiliser ce produit, je pensais que j'étais un corps, uniquement un corps, et qu'après avoir connu ce genre d'expérience, je m'aperçois que mon esprit peut être complètement dissocié de mon corps. Enfin, j'ai fait l'expérience de la dissociation du corps et de l'esprit, et c'est quelque chose qui ne m'avait pas paru du tout tangible avant ce genre d'expérience, quoi. Mais c'est très subjectif, hein. Si je peux proposer quelques biais que j'ai un peu trouvés dans cette étude et que je trouve assez intéressant de les souligner, c'est déjà, je suis allé voir le questionnaire qui était proposé aux participants, et je trouve que directement dès la question, la toute première question, le titre du questionnaire, c'est « Avez-vous eu une rencontre avec une entité apparemment autonome après avoir pris de la DMT ?» Et je trouve que directement, ça implique la possibilité d'une rencontre avec un être, avec une entité, et qui est apparemment autonome. Et je pense qu'il y a plein de petits biais comme ça dans cette étude qui sélectionnent des patients qui ont eu ce type d'expérience. Et on ne connaît pas les intentions, les motivations des participants. On sait que ce sont plutôt des hommes blancs qui vivent aux États-Unis, qui sont plutôt athées ou agnostiques, ce qui est plutôt étonnant pour des Américains. Mais on ne sait pas si c'est dans une intention spirituelle, une intention de soins, une intention récréative. Et je pense que, comme tu as pu le souligner tout à l'heure, le set and setting et donc les intentions, les motivations de base peuvent aussi influencer les expériences vécues. Alors, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que au niveau des expériences de rencontres, ça concerne que 50% des prises de DMT, en fait. C'est pas quelque chose de systématique non plus. Et à forte dose. Et à forte dose, parce que. Et là, il faut avoir une dose qui permette de percer, oui, effectivement. Donc c'est pas quelque chose qui est systématique. Après, au niveau des biais, moi j'avoue que j'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal de biais dans un sens spiritualiste, quoi. Et puis les questions sont, en fait, c'est une liste d'items que les participants peuvent choisir. Donc, on a le choix entre définir l'entité ou l'être comme étant une entité, comme étant un être, comme étant un alien, etc. Mais en fait, on a une liste de choix possibles. Et je trouve que ça restreint énormément cette capacité. En fait, les participants ne peuvent pas s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. Non.
Alors, si, dans l'enquête, il y avait quand même des questions fermées, comme ça, des choix multiples, et des textes qui portaient, où on avait, le répondant avait droit à écrire un texte de 1000 mots, je crois, de 1000 caractères, quoi. Donc, il y avait quand même une partie ouverte, quoi. Après, bon, quand on, en dehors de ce questionnaire, quand on discute quand même entre psychonautes, le fait de se retrouver face à des entités est quand même assez courant, quoi, même si on n'est pas du tout, même si on est très matérialiste, hein. Et ce qui me paraît le plus surprenant, c'est la façon dont on reconnaît assez facilement une entité de type DMT, quoi. Elles sont un peu signées, elles ont quand même une marque, quoi, ces visions. C'est assez troublant, quoi. Pour rebondir là-dessus, il y a Rémi donc, qui nous propose une question. Peut-être Rémi, si tu veux la poser toi-même, tu peux te mettre en démute. Bonsoir, je pense que vous m'entendez. Ouais, nickel. C'est bon ? Ok, parfait. Déjà, merci pour l'invitation, c'est chouette. Oui, du coup, je me demandais en fait, quel est le biais que peut apporter le fait que, de ce que j'ai vu, et c'est justement pour ça que j'ai apprécié la présentation, parce que je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil aux chiffres détaillés, mais je trouve ça surprenant en fait qu'une majorité des participants soient donc des Américains et soient devenus pour une moitié d'entre eux, du coup, de ce que j'ai compris, croyants après les expériences. Et je me demandais justement s'il n'y avait pas une comparaison à faire avec les autres participants qui, eux, seraient devenus croyants. Mais qui ne sont pas américains en fait, parce que comme je ne sais plus qui l'a fait remarquer ici, bah, la religion aux États-Unis, ça a quand même un fort impact en fait, et même si les gens se disent athées ou agnostiques, je pense que dans le fond, il y a quand même une forme de, je ne sais pas, peut-être de plus grande sensibilité aux croyances qui serait peut-être moins présente ailleurs. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant de regarder ça? Parce que je n'ai pas regardé les chiffres en détail encore une fois, donc je ne sais pas si la question était claire. Ozias, tu veux répondre? Oui, moi, ce que j'ai trouvé un peu questionnable, en fait, dans l'enquête, c'est les liens qui peuvent exister entre Johns Hopkins et ce Center for Spiritual Practice qui héberge les résultats, quoi. En fait, le questionnaire de 2016 avait été fait par Roland Griffiths, mais avait été lancé par le CSP. Et le questionnaire de 2018 reprenait le questionnaire de 2016 et était lancé par John Hopkins, quoi. Donc, je me suis posé des questions en fait, sur les liens qui pouvaient exister entre Johns Hopkins, ce Center of Spiritual Practice, qui a été fondé par Bob Jess, qui est un ami de, enfin un ami, enfin en tout cas qui fonctionne depuis longtemps avec Roland Griffiths. Ça m'a semblé quelque part un peu questionnable, oui, effectivement. Je me permets en tout cas moi de, je ne sais pas si on peut du coup apporter ses propres expériences ou autres ce soir ou si c'est à vous. Parce que pour ma part, j'ai quand même. Je peux du coup. Parce que pour ma part, j'ai. Enfin, je dois quand même avouer qu'il y a eu une fois une expérience où je me suis retrouvé une vision type qualifiable de jardin d'Éden, on va dire, où ça allait très très vite. Je voyais un jardin se créer sous mes yeux. Et je dois avouer que le seul parallèle que je puisse faire, c'est penser au jardin d'Éden. Mais d'un autre côté, ça ne m'a pas rendu plus croyant que ça. Enfin, voire même, je ne suis toujours pas croyant dans une des religions, disons. Classique entre guillemets, mais quand même j'ai dû apporter cette comparaison avec le jardin d'Éden et ça m'a, comment dire, j'ai trouvé ça surprenant, mais d'un autre côté ça m'a pas non plus invité à devenir croyant. Je suis pas devenu croyant du jour au lendemain, je vais pas à l'église. Enfin, du coup c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une question à se poser par rapport au fait qu'une majorité des participants viennent des États-Unis et du coup voilà le lien que ça pourrait avoir.
J'aimerais bien intervenir si là-dessus, parce que je vous l'ai dit, moi je viens du monde des expériences de mort imminente, et il y a ce débat toujours sur l'histoire de la religiosité. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec les expériences sous DMT, les expériences de mort imminente que je connais bien, même si je suis pas un expérienceur, je n'ai pas fait de EMI. Il y a une structuration qui ressemble beaucoup à celle des expériences sous DMT. Et moi, ce que je tiens à préciser, puisqu'il y a une analogie, c'est que pour les expériences de mort imminente qui arrivent en général à des gens qui sont athées aujourd'hui, et moi, les expériences auxquelles j'ai accès viennent beaucoup d'Europe, les gens deviennent croyants, mais pas du tout dans le terme religieux, c'est-à-dire qu'ils fréquentent beaucoup moins les lieux de culte, ils ne fréquentent pas les lieux de culte en fait, beaucoup moins que ceux qui ont eu des accidents cardiaques et qui n'ont pas fait d'expérience de mort imminente. Ils ne se reconnaissent pas. Donc, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une imprécision dans cette notion de devenir croyant. C'est croyant en quel terme ? Il y a certains zoémistes, par exemple, qui vont à l'église pour se marrer de toutes les conneries qui sont racontées sur les dogmes, sur les choses comme ça, parce qu'eux ont la certitude que ça ne tient pas debout. Et par ailleurs, je serais très intéressé par la description du Jardin d'Éden du participant précédent, parce que dans la géographie des expériences de mort imminente qu'on connaît maintenant assez bien, il y a une étape, une des 8 à 9 phases qu'on peut traverser dans une EMI, qui est un jardin magnifié, mais qui se manifeste d'une façon très très précise. Les gens disent que les couleurs sont beaucoup plus vives que dans notre réalité, qu'il y a beaucoup plus de couleurs qu'ils ne peuvent même pas les décrire. Et les plus observateurs disent que ce sont des paysages très lumineux qui varient d'un expérienceur à l'autre, mais où la lumière ne provient pas d'un soleil, c'est-à-dire que la lumière semble provenir de ce paysage magnifié. Moi, je serais très intéressé de savoir si le paysage magnifié, le jardin d'Éden qui a été vu, ressemblait à ça. Bonne question. Je me permets du coup de répondre, mais vu que c'était intervenu en fin d'expérience, j'ai pas très compris. Est-ce que vous pouvez repréciser la question, peut-être, si je peux y répondre de façon à peu près précise, même si c'est pas évident. Alors, une des phases des expériences de mort imminente. Des phases des expériences de mort imminente assez profondes mentionnent la personne se retrouve dans un jardin, dans un paysage magnifié. Moi, je préfère utiliser cette expression-là que jardin d'Éden, mais effectivement, ça y fait beaucoup penser, puisque les gens disent que c'était un paysage absolument parfait, magnifique, les couleurs étaient resplendissantes, et surtout, ce qu'ils ajoutent, c'est qu'ils disent que tout vivait. C'est-à-dire que tout était conscient, l'herbe était consciente, l'eau était consciente, les pierres étaient conscientes, et la personne, la conscience de la personne qui vit cette EMI, cette phase de EMI, dit j'avais la même conscience que l'herbe, que l'eau. L'herbe et l'eau, ça marque beaucoup dans les témoignages, ça revient d'une façon très récurrente. Et ils disent je n'étais pas plus important que la conscience de l'herbe, que la conscience de l'eau. Je me noyais là-dedans, j'étais tout, quoi. Et donc, je voulais savoir si vous avez vécu ce jardin d'Éden, comme vous dites, de cette façon-là. Alors, non, parce que pour le coup, encore une fois, ça intervenait en fin d'expérience. Par contre, je me permets de faire un parallèle qui est intéressant, parce que pour ma part, si j'étais très intéressé par la DMT, c'est parce qu'à la base, avant de découvrir cette molécule, j'ai eu deux EMI. J'en suis pas extrêmement fier, mais à cause d'un dérivé du jeu de foulard que j'avais vu sur internet quand j'étais petit, et du coup j'en suis arrivé à faire ce genre d'expérience un peu débile, mais ça a poussé jusqu'à l'EMI, la deuxième EMI que j'ai eue, en fait, justement, pour le coup, il y avait cette notion de l'eau, et dans laquelle, oui, effectivement, je me perdais, chose qui n'était pas le cas dans le cas de l'expérience type jardin magnifié, parce que pour le coup, je vais reprendre cette expression qui est quand même mieux que jardin d'Éden, je trouve. J'avais pas cette sensation de me perdre dedans puisque c'était la fin du voyage. Et alors que dans le cas de l'expérience de l'EMI, le coup de voir cette mer est extrêmement paisible, pour le coup, j'avais l'impression de me diluer dedans, en fait. Et maintenant que vous me faites remarquer ça, je me pose encore plus de questions. Donc, merci. Alors, c'est très caractéristique le fait de se noyer dans le paysage. C'est vraiment
très caractéristique des EMI. Je ne vais pas parasiter votre la conférence, parce que moi, je suis surtout là pour écouter, parce que je suis vraiment, je découvre complètement ce monde des psychédéliques après l'expérience de l'Imperial College qui a montré que sous DMT, les volontaires qui avaient participé à une expérience, c'est tous le test de Grayson qui atteste des EMI normalement et que aucune substance jusqu'à présent ne permettait de franchir. Et simplement, je voulais vous signaler que j'ai une amie qui prépare un documentaire sur les expériences de mort imminente et qui est justement à la recherche de témoignages de gens qui ont connu des expériences sous DMT ou sous psychédéliques en général et qui ont aussi vécu une EMI parce qu'en fait, la concomitance des deux est très rare. Et voilà, je pense qu'elle serait très intéressée par votre témoignage. Écoutez, pour ne pas parasiter non plus, je veux bien que vous m'envoyez un message ou autre, un lien, et je veux bien répondre, oui, parce que ça m'intéresse, j'aimerais en parler un petit peu. Merci. Ok, j'interviens plus. Non, mais c'est vraiment, c'est très intéressant, et du coup, est-ce que quelqu'un d'autre du public souhaite participer à une expérience, soit effectivement sous DMT, ou alors de mort imminente? Je vois qu'il y a Fabas ou Martin dans le chat. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Ah, oui, je me lance. Vas-y. On m'entend bien. Nickel. Déjà, moi j'ai pris pas régulièrement. J'ai eu juste une soirée où j'ai eu l'occasion de prendre du DMT en haut d'une colline dans le Gard, comme ça, sans avis préconçu. Je n'avais pas lu avant. Donc, déjà pour dire que tout ce qui a été décrit, je l'ai vécu. C'est la première expérience. Alors, pour le départ, moi, de ce que je me souviens, ça remonte à 7-8 ans, peut-être plus. C'est donc là, on en parlait, c'est d'abord un son qui est passé par les deux oreilles, comme une sorte d'acouphène, et qui était lié aussi à une sorte de vibration qui m'a complètement empli le corps. C'était très rapide, on se sent un petit peu égaré, quoi. C'est tellement puissant. Plutôt envie de s'allonger ou quelque chose comme ça. Après, une phase où est arrivée à moi des formes d'images plutôt à plat et plutôt primitives, assez simplistes, noir et blanc. Et puis après, j'ai un peu perdu le fil. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait défilé très rapidement. Donc, je ne pourrais pas décrire. Hein. Un peu comme traverser un tube, mais sans pouvoir voir les parois ou quoi que ce soit, quelque chose d'un genre de défilement. Mais comme c'était la première fois, je pense que je n'ai pas trop imprimé. Et après, tout ça a ralenti. Je me suis retrouvé dans une sorte de... Je ne sais pas si c'est une sphère, mais l'idée, en gros, c'est que c'était peu hallucinogène, les yeux ouverts. Mais quand je fermais les yeux, j'étais dans une sorte de quelque chose de sphérique tout autour de moi. C'est comme si je pouvais diriger mon regard sans diriger les yeux. Ouais, c'était comme de l'intérieur, si vous voulez. Tu vois. Je pouvais regarder les parois autour de moi sans tourner la tête. Quoi. Et c'était pourtant très peu hallucinogène. J'étais la nuit, il n'y avait pas tellement de lumière autour de moi, à part une bougie et la colline, quoi. Et de là, donc, effectivement, un peu ces formes fractales très colorées, très lumineuses, d'une beauté que tu ne pourrais pas... Tu te demandes comment tu peux voir des choses aussi belles, comme ça, tu vois, que tu n'as pas vu autrement. Une image de synthèse d'ordi ne te rend pas un tel rendu, avec des formes en 2D qui se transforment un peu en 3D, une difficulté à percevoir un peu la profondeur, et arriver... Ce fameux moment qui n'était pas désiré, j'avais peu lu là-dessus, de l'entité. Moi qui ai pris des psylos, du LSD, des choses comme ça, je n'ai jamais eu cette forme de rencontre. Et c'est passé pour moi par l'impression que quelque chose s'approchait de moi, que je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti comme s'il y avait quelque chose derrière mon épaule. C'était tellement puissant. La première chose qui m'est venue, c'est sentir vraiment qu'une conscience s'approchait de moi, sans savoir ce que ça pouvait être. L'idée, c'était vraiment la conscience qui s'approche de moi, quoi. Et je ne peux pas dire que j'ai vu vraiment, comme certains peuvent le décrire, une forme vraiment, en fait, au milieu de tout ça. J'ai simplement senti, puis après, il y a eu un échange un peu sous forme télépathique, un peu comme si on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Quelque chose comme ça. Donc, moi, j'étais plutôt sur un truc un peu... j'étais un peu dubitatif. Je ne savais pas si ça me voulait du bien ou du mal. Je sais pas, j'ai une approche un peu... un peu spirituel, mais je ne suis pas non plus vraiment à fond là-dedans. Donc voilà, mais sans avoir une crainte énorme, j'étais un petit peu juste dubitatif, parce que je ne savais pas trop. J'ai fait un peu un souhait de guérison, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme des formes serpentines, mais plutôt comme des rubans à plat, plein de couleurs très rapides,
qui sont venus. Alors, j'avais eu une opération à l'oreille, donc forcément, j'étais un peu là-dedans. Ça m'a pénétré l'oreille. Aussi, le sexe, sensation un peu de froid. Donc, il y a quelque chose qui m'est vraiment rentré dans le corps, quoi. Je ne me rappelle plus trop de la suite. C'est redescendu tout ça. Et je me rappelle simplement d'avoir eu plusieurs choses en tête. Premièrement, quand c'est monté tout de suite, j'ai eu l'impression d'une technologie. Alors, il y en a qui disent alien. Bon, ce n'est pas le terme que j'utiliserais, mais de quelque chose de pas de planétaire, quelque chose de cosmique. Tout de suite, j'ai senti comme une technologie cosmique. C'est bizarre hein, comme truc, mais c'est la sensation que j'ai eue. Et à la redescente, la certitude que je n'ai peut-être pas forcément encore maintenant, en tout cas d'être immortel quelque part et d'avoir de l'intelligence partout dans l'univers. Et aussi un état de bien-être et de béatitude et d'amour et finalement de reconnaissance de cette expérience qui était... comme les gens le disent aussi, parmi des expériences quand même puissantes qu'on peut vivre dans une vie. Voilà pour décrire un petit peu ce que j'ai pu ressentir et je ne sais pas si les autres partageront. Voilà. Voilà pour moi. Et vraiment, c'est à chaque fois. Voilà, c'était juste ça. Je n'avais pas de questions, je voulais juste le partager. C'était très intéressant. Ça me fait penser au serpent cosmique de Généré Mindarbi. Mais si personne d'autre veut partager son expérience, je propose, j'ai loupé la question de Diane Ismo. Hein. Donc là, on passe du côté peut-être spiritualiste. Je vous propose de la poser, enfin de prendre la parole. Allô, vous m'entendez? Nickel. Bon, parfait. Alors en fait, oui, sachant que... Ces substances, ces plantes viennent à la base d'une médecine qui est de l'herboristerie et du chamanisme, dans un certain setting très particulier et aidé justement, guidé par des chamans qui sont censés aussi accompagner cette rencontre avec l'entité de la plante. Et ben, par rapport à quand on l'apprend, toute cette cérémonie, en fait, normalement, est censée nous aider à bien voyager, à rencontrer de bonnes entités, entre guillemets. Et donc, comme on parlait aussi des mauvaises entités, c'est normalement aussi le travail, par exemple, du chaman, de garder toutes ces mauvaises entités loin, entre guillemets, de nous pour qu'on ait des expériences beaucoup plus faciles, accessibles et, entre guillemets, bonnes pour nous. Du coup, c'est plus une sorte de question et d'affirmation. La DMT, mais sans tout ce travail-là, alors qu'on parle de certain settings, bah c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est une très bonne question. Ozias, commenter. Effectivement, avant de partir dans ces petits voyages DMT, il y a toujours une appréhension et je me suis bien beaucoup posé de questions sur le protocole à mettre en place pour ne pas faire de mauvaises rencontres, parce que bien que je ne sois pas du tout spiritualiste ou croyant en quoi que ce soit, je reste quand même impressionné par ce qu'on voit et par les expériences aussi de pénétration comme a pu relaté Fabas, de ces rubans lumineux qui nous transpercent le corps et qui parfois nous proposent de faire quelques modifications dans notre ADN ou au niveau du cerveau. C'est des choses qui font qu'en fait on a beau être très matérialiste, on est face à un produit qui est quand même pas un produit très, très ludique et qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans et que on est bien un peu forcé de le reconnaître quand même si après c'est impossible de tirer des conclusions sur la nature de ce qu'on voit, de ce qu'on a vécu. Mais est-ce que du coup vous avez par exemple des études pour dire que les participants qui ont voyagé avec chaman ont-ils eu des retours plus positifs ou pas que les participants qui voyagent sans? Il y a ce genre d'études ou pas? Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas du tout branché chamaniste. Moi, je ne sais pas du tout répondre.
Non, je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'études. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'études comparatives entre un encadrement avec chaman ou sans chaman. Néanmoins, c'est vrai que des effets indésirables sous DMT, on en retrouve plutôt chez des patients, chez des usagers qui ont utilisé de manière plutôt récréative, hors contexte de prise particulier. Et il est certain qu'un certain setting particulier qui est fortement développé justement dans un cadre chamanique, parce qu'il y a un contexte sensoriel, il y a une présence de personnes, il y a une intention souvent qui est développée, serait de toute façon plus propice et moins risqué qu'un usage purement récréatif, tout seul, avec consommation d'autres substances psychotropes, par exemple. Donc, que ce soit chamanique ou un certain setting, par exemple à l'hôpital, comme ça a pu être développé depuis 2008 avec un environnement vraiment particulier, avec des stimulations sensorielles particulières, une lumière apaisée, de la musique particulière, un accompagnement avec deux thérapeutes, ce sont des éléments qui vont favoriser le voyage et qui vont permettre de réduire les risques liés à ce qui peut survenir pendant ces expériences. Ok, merci. Bah, c'est vrai que moi, au départ, j'ai connu un peu les psychés, entre guillemets, dans mon coin. Et puis, je me suis rapprochée justement du chamanisme à en faire enfin, à faire aussi des cérémonies chamaniques, que ce soit bah, Buffo, Iboga, enfin, Ayahuasca, etc. Donc, j'ai quand même bien vu la différence entre quand c'est du chamanisme et quand c'est tout seul. Et une sorte d'entre-deux quand on commence à s'y connaître et que on les réutilise avec de la protection ou ce genre de choses. Ce n'est que mon vécu. Je me permets de rebondir là-dessus, mais c'est rigolo parce que, enfin là, je parle juste dans le cadre de la DMT pour ma part. Mais à la fin, en fait, je me suis rendu compte que je ne supportais pas l'apprendre avec des gens. Alors, je ne sais pas si je suis devenu mon propre chaman ou pas, mais il n'a jamais été question de me référer à quelqu'un. J'ai découvert cette molécule tout seul pour ma part. Et je me suis rendu compte que la consommer avec d'autres gens autour de moi, c'était ce qui, pour ma part, amenait à des mauvaises expériences, en fait. Parce qu'il y avait cette notion du regard de l'autre qui est vraiment très présente et qui me gêne énormément. Alors, c'est peut-être moins le cas que les autres psychédéliques où j'ai plus de facilité à me confronter au regard des autres, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres substances, telles que l'ayahuasca ou l'iboga, qui sont quand même assez costauds aussi. Et que, voilà. Mais en tout cas, je trouve que la question est très bien, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin d'être amené, d'être, comment dire, d'être réconforté avant un voyage. Et pour ma part, j'ai remarqué ça avec des gens, on va dire, que au final, les meilleures expériences qui étaient possibles de vivre, c'était vraiment l'expérience type un peu comme un solastique, c'est-à-dire que je leur mettais dans les mains le produit, je leur disais, bah voilà, c'est de la DMT, quand tu veux, tu y vas. Et direct, je les voyais se lancer sans préparation, sans rien, sans méditer. Et ils en sortaient vraiment confiants, enfin confiants et apaisés de l'expérience, alors que dans le cas où, pour ma part, je me suis déjà vu passer une demi-heure à me préparer. Pareil et tout, et au final, tout ça pour peut-être pas avoir une mauvaise expérience, mais pour avoir un ressenti pas forcément extrêmement positif, alors que j'avais un même ressenti seul en me sentant directement. Enfin bref, c'était juste pour faire la remarque, parce que je trouve que la question est intéressante. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné ou pas pour éviter les mauvaises rencontres? Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que tu dis, parce que quand même, prendre de la DMT en fumant, c'est un trip qui va te durer 10-15 minutes. Quand tu vas prendre de la ayahuasca, de l'iboga, ça va te durer 8 heures, hein. Bien ou plus. C'est bien pour ça justement que Que... ouais, justement là pour le coup c'est pas du tout la même chose, donc ouais, pour le coup je serais peut-être plus intéressé, enfin la question serait plus sensée dans le cadre de ces substances-là, je pense, que pour la DMT, je pense. Oui, bah, prise dans cette circonstance-là, ouais. Moi, Diane, quand tu parlais de chamanisme, j'entendais plutôt l'idée de quelqu'un qui en fait intercède, je sais pas si ça se dit pour toi, qui est le médiateur de ton expérience. Et je parle de ça parce que j'ai l'impression dans la recherche contemporaine, peut-être que Romain, tu pourras me contredire, on laisse vraiment la place à l'expérience individuelle. On fait en sorte qu'il y ait un espace safe, que ce soit voilà psychologiquement stable, mais
ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on parle de inner healing intelligence. Donc, c'est vraiment on laisse la personne à son mindset intérieur sans présence chamanique, entre guillemets. Et ça, pour moi, je change un peu de sujet, mais c'est ce qui fait qu'une expérience psychédélique peut devenir... peut devenir l'objet d'entreprises marketing, peut être modifié. Et là, on s'éloigne effectivement du chamanisme, j'ai l'impression. Mais sinon, je voulais aussi, peut-être pour toi, Ozias, tu me disais dans nos échanges que Griffith, c'était quelqu'un qui avait un peu viré de bord, qui était à la base quelqu'un de très technique et qui est devenu... plutôt spiritualiste, et donc je voulais un peu avoir ton ressenti là-dessus. Est-ce que, en quoi ça a pu influencer ses recherches et par rapport au Council of Spiritual Practices aussi? Les questions que je me pose, c'est un peu quels sont les liens entre ce Council of Spiritual Practice et Johns Hopkins, quoi, qui finance tout ça, qui a fondé tout ça, quelle est la finalité en fait? C'est quand même... Il y a des aspects moraux, un peu, de lutte contre les addictions, de recherche d'élévation spirituelle, des objectifs qui sont avoués et peut-être qui ne sont pas complètement dénués d'intérêt, quoi. Donc, d'intérêt au sens large, hein, pas forcément d'intérêt économique d'ailleurs. C'est les questions que je me suis posées. Mais après, il faudrait faire une enquête complète sur les auteurs et sur ce que je n'ai pas fait. Ce que j'ai pas fait. Je ne peux pas en parler précisément. Pour rebondir sur la dernière question de Raphaël et de Diane, j'ai pu étudier certaines cérémonies d'ayahuasca de manière ethnographique pour un mémoire en anthropologie. Et j'ai pu aussi aller voir au Pérou des pratiques, une pratique d'un chaman. Et c'est vrai que j'ai vu une faible médiation de la part du chaman. Je n'ai pas trouvé le chaman ou le maître de cérémonie particulièrement actif sur les individus, mais il y avait quand même une grande place à un travail personnel et intime, sans qu'il y ait forcément d'interaction très forte. Présente. D'autre part, dans les essais cliniques aujourd'hui, comme ils sont développés, le but, c'est de montrer une efficacité des psychédéliques versus pas de psychédéliques. Et souvent, la prise en charge psychothérapeutique, elle est faiblement marquée parce qu'on veut éviter qu'il y ait un effet interpersonnel, qu'il y ait un effet de la psychothérapie. Donc, pour l'instant, on a plutôt des environnements qui sont relativement neutres où on ne va pas trop interagir avec le patient. Mais peut-être que d'ici quelques années, on aura un développement justement de la psychothérapie associée à la prise de psychédéliques, et peut-être qu'on va chercher à plus influencer pour un peu potentialiser des effets de psychothérapie et les effets aussi du produit en lui-même et des capacités d'introspection de l'individu. Donc peut-être qu'à terme, c'est quelque chose sur lequel on va aller de plus en plus, je pense. Alors, on croise les doigts. Ouais, c'est le cas de le dire. Martin, Cali, je crois que vous aviez voulu intervenir. Oui, merci Raphaël. Oui, moi j'avais un commentaire. Cet article me fait penser à cette idée de McKenna où il dit que prends la DMT, tu vois des entités qui sont très, très intéressées à te dire quelque chose, qui sont là, qui font son truc, mais qui sont très intéressées de nous enseigner quelque chose. Et on voit dans cet article qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un enseignement, qu'il y a quelque chose qu'ils veulent nous dire. Et je me demande... pour les personnes qui ont eu beaucoup d'expériences avec ça, c'est quel type d'enseignement qu'on a avec ces molécules
Et pourquoi on n'a pas une école à DMT, en fait? Pourquoi on n'a pas un lieu où on peut étudier ce type de d'enseignement? Voilà. C'est pour, la question, c'est pour tout le monde, mais pour Romain, Ozias, peut-être Alice aussi, qui peut-être a eu des expériences. Si je comprends bien, Kaït, ta question, c'est quel type d'enseignement on a sous DMT, c'est ça? Oui. C'est quoi qu'ils veulent nous dire, ces entités? La question que je me pose systématiquement, c'est est-ce que je dois laisser ces entités et ces visions interagir avec ma vie quotidienne, ma vie matériel et dans ma vie de tous les jours, quoi. Ma réponse, mais c'est personnel, hein, ma réponse c'est non, quoi, dans le sens où c'est un autre monde. J'admets qu'il existe un autre monde qui est peuplé d'esprits, ils sont là, ils sont partout, ils demandent qu'à vivre dans mon cerveau, dans mon esprit, à l'espace de quelques instants. Oui, ils sont là, mais notre vie existe, matérielle aussi, et je ne vois pas trop de lien entre ces deux mondes. Mais c'est une position personnelle, quoi. Peut-être c'est... Et du coup, est-ce que je peux me permettre de te poser pour ton intention de pourquoi tu y vas? Pour la connaissance, pour voir autre chose, pour voir ce que mon esprit peut me montrer. Une sorte d'imagination? C'est plus fort que de l'imagination, puisque comme une prise de conscience. Ouais. Et tu viens pas de dire que tu veux pas récupérer ce qu'il y a de là-bas pour ton monde matérialiste? Mais par contre, personnellement, j'établis une barrière entre les deux. Entre les deux mondes. J'ai un exemple simple, hein, que j'ai souvent cité. Au cours d'une de ces expériences, une entité m'a demandé télépathiquement si je voulais savoir si j'étais sorcier. Je lui ai répondu que non. Elle était satisfaite? Elle était satisfaite? J'ai pas eu de commentaires, en tout cas. Mais personnellement... c'est un monde auquel je peux accéder, c'est une dimension qui existe en parallèle, mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite voir interférer avec ma vie de tous les jours, même si des fois j'ai reçu des messages sur des choses qui pourraient arriver, tu vois, des prédictions même. Donc ce n'est pas des connaissances que tu ramènes, c'est des connaissances que tu laisses là-bas. Oui, on pourrait dire comme ça, oui. Oui. Okay. C'est un ailleurs, c'est une autre dimension. C'est pas, je cherche pas à obtenir quelque chose dans cet espace-là pour changer l'espace dans lequel je suis. Mais c'est une position qui est très personnelle. Hein. Oui, intéressant. Merci. Que c'est lié, Ozias, au fait que quand on échangeait, tu me disais que on a la possibilité finalement d'interagir ou non avec ces entités. Donc, ça veut dire en quelque sorte, donc, certes, tu as répondu à cette entité que non, tu ne croyais pas être un sorcier. Je ne voulais pas savoir. Ah, tu ne voulais pas savoir. Ouais. Voilà, donc tu refuses le dialogue en fait. quelque part, je refuse que ces entités interviennent dans ma vie. Matériel de tous les jours et quotidienne, ouais, c'est vrai. Mais quelque part, je me pose la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est pour ça que je lis ces articles et que je m'intéresse à ce genre de discussion et de sujet. Okay. Sur les types d'enseignement, j'ai mis dans le chat un article qui est sorti après cet article-là qu'on vient d'étudier, qui est un article qui est sorti il y a 4-5 mois, qui décrit de manière beaucoup plus fine les rencontres faites au cours de consommation d'ayahuasca. Pourquoi c'est beaucoup plus fin? Parce que déjà, la méthode, ce n'est pas un questionnaire
où les usagers sélectionnent, mais c'est de l'expression directe et il y a un recueil d'informations qui est plus de type ethnographique. L'étude donc, s'appelle An Encounter with the Other et c'est écrit par, co-écrit par David Luke et Pascal Michael. Et dedans, il y a un petit paragraphe sur justement les messages qui sont transmis et souvent, en tout cas comme c'est caractérisé dans cette étude, sont des enseignements de type soit universel où les usagers ont l'impression de saisir des connaissances globales qui les dépassent complètement et qui ont un sens de type de cosmos ou d'univers global. Parfois, c'est des enseignements qui sont sur l'humanité tout entière. Et plus rarement, ce sont des enseignements sur l'individu directement, sur la personne directement. Mais en grande majorité, ce sont des enseignements assez globaux sur la nature de l'univers, sur la nature de l'existence. Je vous conseille cet article qui est assez complet et beaucoup plus précis que celui qu'on vient d'étudier, je trouve. Merci beaucoup, Romain. C'est très intéressant. Je vais le lire. Bah, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Romain, pour avoir voyagé un petit peu, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que pour ma part, par exemple, c'est soit justement des choses qu'on est censé savoir, mais que finalement, on ne va pas appliquer sur le moment ou quoi. Et que, par contre, moi, je ramène en fait ces enseignements dans ma vie de tous les jours et qui m'aident à être beaucoup plus éthique, on va dire. Et du coup, oui, c'est vraiment, j'essaie de ramener tout ce qu'on me dit pour les mettre en place dans ma vie, oui, ici. Mais donc, quelque part, ça suppose quand même répondre à la question, ou du moins avoir une réponse à la question de la nature ontologique de ces entités, quoi. Est-ce qu'elles existent réellement? Est-ce que ce sont des projections de nos esprits? Est-ce que ce sont des archétypes? Est-ce que ce sont des noumènes qui ont une existence propre, aussi vraie qu'un président de la République? Je ne sais pas. C'est quand même une grande question, mais je n'arrive pas à y répondre à cette question. Et dans le doute, je... Ça se trouve, on me met plusieurs mots pour la même chose. Alors, il y a l'article de Winkelmann là, qui est traduit aussi dans le Slack SPL qui se posait directement cette question sur la réalité ontologique des entités perçues sous DMT. Et Winkelmann a son explication qui est à base de psychologie évolutionniste. Quoi. Pour lui, ce serait d'anciens schémas mentaux auxquels on se reconnecterait, et ce qui expliquerait qu'on soit au centre de tout ce qui se passe dans ces visions-là. Je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui pousse en effet à se questionner sur la réalité et de nos perceptions et au réel en tant que chose qui nous dépasse. Et Stephen Zara, qui s'est auto-administré de la DMT en 56, qui a été le premier à s'auto-administrer de la DMT, lui, il a une explication un peu neurobiologique aussi. Lui, il propose que, à travers la désactivation du réseau mode par défaut induit par la DMT, on aurait un petit peu des sortes d'inconscient archétypal qui pourrait se manifester et créer des formes comme ça qui pourraient être relativement constantes, qui pourraient se partager. Mais en effet, la question se pose de qu'est-ce donc que ces entités? Est-ce une projection? Je pense que le débat est ouvert pour quelques décennies encore. Ouais, je voudrais juste rebondir. Il y a quand même une chose dans la rencontre qui est intéressante, sans définir, savoir ce que c'est ou pas. C'est que dans le dialogue qu'on a,
on a vraiment l'impression de dialoguer avec, alors c'est peut-être avec soi-même, mais on a vraiment l'impression de dialoguer avec quelqu'un d'autre, quoi. Et alors, j'ai dit tout à l'heure que ça m'est arrivé qu'avec le DMT, non, j'ai eu d'autres expériences là, qui me sont revenues. En tout cas, cette impression d'un vrai dialogue avec quelque chose d'autre, même si c'est soi-même, et qu'on peut vraiment différencier du rêve ou des pensées comme ça qu'on peut avoir quand on se fait un dialogue dans sa tête. Il y a vraiment une nette différence, il y a vraiment une sensation qui est autre, que j'ai vécu en fait à plusieurs reprises, je me rends compte, trois fois en fait, et j'ai vraiment pu faire la différence entre la rêvasserie et cet état de dialogue. Voilà, c'est juste un petit aparté là-dessus. Et puis ce qui est troublant aussi, c'est quand même la qualité des visions et des détails de ce qu'on peut voir, même si c'est généré par notre propre cerveau, il y a quand même une beauté et quelque chose qu'on ne va pas retrouver autrement. Et ça m'a toujours sidéré, cette beauté-là. Et voilà, c'était mon petit commentaire là-dessus. Yann, tu as une question, il me semble. Tu veux que je la pose peut-être ? Ah, bah je peux la poser. Je vous demandais en fait si sous DMT, vous êtes toujours. Vous vous voyez toujours comme dans la réalité, ou si parfois vous vous voyez comme dans un rêve, c'est-à-dire à la troisième personne, donc comme si vous voyiez un ami, ou alors comme si vous étiez juste une caméra dans un environnement. C'est un peu ce que j'ai décrit dans le troisième. J'ai distingué trois étapes, les kaléidoscopes, salles d'attente, les rencontres interactives avec les entités. Et mais puis, je parle vraiment de rencontres. Que de... Une troisième étape où on est nulle part et partout à la fois et on est juste baigné dans un flux d'énergie, de lumière, où il existe justement cette notion. Enfin, c'est le vide, la dissolution, et on n'existe plus. Quoi. J'aurais vraiment dissocié les deux parce que j'ai vécu les deux. Et par exemple, en rêve, je peux être comme une caméra, je peux être un individu en train de regarder une rencontre ou juste moi en train de vivre la rencontre. Mais par exemple, il peut y avoir toujours une scène de rencontre où je suis plus ou moins présente dans la scène. Donc, ce n'est pas la dissolution de l'ego et faire part du tout. C'est vraiment, je ne sais pas, on est vraiment c'est vraiment à travers les yeux comment on voit la scène. Je ne sais pas si je suis très claire. Je me permets de rebondir sur ta question, puisque tu me fais penser à un détail qui me perturbe un petit peu. Mm-hmm. Déjà, je te redemande, pour toi, le fait de t'être vu à la troisième personne, ça a été dans des rêves ou avec la DMT? Le troisième état, c'est dans les rêves. Et avec la DMT, d'autres substances, j'étais bien dans le troisième état que décrivait Ozias. C'est-à-dire une sorte de dissolution de l'ego où finalement, tu fais partie du tout. Donc, c'est vraiment deux états distincts. Ok, pour ma part, je voulais juste rebondir sur la question que tu avais posée sur le chat qui était attends, je regarde juste, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semblait que tu demandais si on s'était déjà vu à la troisième. Oui, voilà. Oui, ou est-ce que parfois vous êtes à la troisième personne comme une caméra externe? La remarque là qui me fait tilter, c'est que pour ma part, quand j'ai fait mon EMI, ma première EMI, avant de voir le fameux tunnel blanc, je me suis vu justement la troisième personne dans ma chambre de l'époque, comme si j'étais une caméra de surveillance en train de me réveiller et de me dire « Ah ouf, heureusement, je n'ai jamais fait sur de bêtises que de risquer ma vie avec un jeu aussi con. » Et juste après, c'est parti sur le reste du trip, on va dire. Mais pour le coup, je n'ai jamais eu l'expérience troisième personne avec la DMT, donc je trouve ça intéressant. Merci d'avoir posé la question. Merci d'avoir répondu. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant toute la nuit, peut-être, mais... Si, et être une autre personne. Je suis désolée, je te écoute, mais est-ce que vous avez été... Avez-vous déjà eu des trips où vous êtes une autre personne, comme dans un rêve? Est-ce que ça, c'est possible ou pas? euh,
On a parfois l'impression, alors ce n'est pas spécifique à la DMT, hein, je pense à beaucoup d'autres produits, d'être embarqué dans des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais je ne vois pas qu'il me soit arrivé de perdre de vue que ça n'était pas mon histoire et que c'était juste passager, quoi, en tout cas. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai pu récupérer des témoignages de personnes qui avaient pris de l'ayahuasca et qui avaient l'impression de vivre des vies qui n'étaient pas les leurs, et notamment une personne qui a pu me parler de vivre, alors peut-être des vies antérieures. Elle avait l'impression de revivre des vies, mais qui ne lui appartenaient qu'à moitié, ou en tout cas, elle avait du mal à se représenter, et de voir des vies comme ça et d'intégrer d'autres vies. Voilà. Si je peux parler vite fait d'un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ça s'appelle La chute du ciel de David Kopenawa et Bruce Albert, où David Kopenawa, c'est un chaman porte-parole Yanomami d'une communauté amérindienne du nord du Brésil qui consomme de la DMT sous une forme de plante qui est insufflée, donc où c'est soufflé et par une sorte de sarbacane, et ça va dans le nez de l'autre personne qui reçoit. Et il décrit dans son livre des rencontres avec ce qu'il appelle les chapiri, ce sont les esprits en fait auxiliaires du chaman. Et en fait, c'est assez étonnant de voir qu'il peut y avoir certaines formes de similarité, je trouve, avec des témoignages de gens qui consomment de la DMT. Mais du coup, ça pose la question de quel est le poids de la culture sur les représentations d'entité, et qu'est-ce qui est peut-être transculturel, ou qu'est-ce qui peut relever de la culture dans ses représentations, et comment est-ce que les mots aussi qu'on utilise dans nos langues vont peut-être influencer soit les perceptions, soit en tout cas le discours après qu'on va faire de ces rencontres. Voilà, après on part dans l'art et dans le symbolisme. Et c'est ça qui est aussi super intéressant d'aller là-bas pour voir qu'est-ce qui est transculturel ou vraiment lié à notre terroir, entre guillemets, quoi. Effectivement, en tout cas, la question sur la sémantique est super intéressante parce que pour ma part, je ne sais plus si c'est justement sur un groupe comme... pas SPL du coup, mais je ne sais plus sur quel groupe Facebook, où il y avait des gens qui discutaient de leur vision et j'avais pu enfin mettre des mots sur les miennes, en me disant, par exemple, le fameux Jester, qui est le bouffon que je pense beaucoup de gens qui ont expérimenté la DMT ont pu voir. Mais même, il y avait aussi le coup de la sorcière aux tresses africaines. Et en fait, c'est rigolo parce qu'avant de mettre ces mots-là, je n'avais pas idée de comment définir ces entités. Et quand j'ai vu les descriptions, pour ma part, qui sont donc des descriptions faites par a priori des Français, parce que les commentaires étaient en français, effectivement, ça permettait de me dire, ah bah tiens, effectivement, ça colle très bien à ça, donc je vais garder ces termes-là. Mais effectivement, la question de la sémantique est intéressante parce que ça se trouve, dans un autre langage, on aurait pu me décrire autrement, j'aurais dit « ah oui, ça peut aussi être ça ». Mais c'est rigolo qu'effectivement, on se retrouve tous un peu dans ces visions d'entité grâce aux mots. Juste ajouter à ça aussi peut-être que, enfin, on emploie le terme « ayahuasca », mais il me semble que il y a plein de façons de, enfin, si on ne parle pas juste de la DMT, enfin, des principes actifs, qu'il y a plein de façons différentes de préparer l'ayahuasca, et donc que les effets, enfin la phénoménologie qu'il y a autour, potentiellement différente dans chacune des préparations. Donc oui, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, la sémantique est très importante dans ce cas-là. Mais est-ce que quelqu'un d'autre qui n'aurait peut-être pas encore pris la parole souhaite l'apprendre ou faire un commentaire, ou quelqu'un qui l'a déjà prise, hein, pas interdit. Ou est-ce qu'on va gentiment clôturer ce journal? Oui, je voudrais faire un dernier commentaire. C'est peu importe les expériences que j'ai pu vivre, psilocybine, LSD, DMT, et mescaline. On parlait des différentes personnes et tout ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression, et c'est ça qui m'a toujours troublé, c'est l'excellente qualité de la présence, de rester soi-même, malgré les expériences les plus fortes qu'on peut vivre, d'avoir quand même cette qualité de présence, d'être soi-même et de rester soi-même,
on ne trouve pas avec d'autres drogues qui vont justement peut-être te faire devenir plus agressif ou machin. J'ai toujours trouvé que j'étais vraiment auprès de moi-même et que je n'avais pas d'altération. Pour avoir vécu, par exemple, la MDMA, je trouve que ça te change ta personnalité, ton rapport à l'autre. Et là, je trouve quand même que dans cette classe-là, je trouve que le moi était toujours le moi-même et je trouve que je restais toujours très, très lucide à moi-même malgré le déroutement qui pouvait être vécu. Voilà. C'était juste ça. Bah, merci beaucoup. Je crois que c'était le mot de la fin. Je vous remercie tous vraiment pour votre participation et les échanges qui ont été très enrichissants, je crois. Merci encore à Ozias pour ta présentation et à Romain pour nous avoir éclairé de tes lumières, et on te souhaite bon courage pour tes recherches. Restez en ligne pour les prochains événements, notamment le prochain Journal Club qui aura lieu en juin. On vous communiquera plus d'informations bientôt à ce sujet. Et puis on se voit la semaine prochaine au Bicycle Day pour ceux qui sont à Lyon. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bravo. Merci. Bonsoir. Salut. Merci à tous. Bonne soirée.